Bon, Mika t'as gagné, donc j'ai la balle. J'ai la balle, t'as compris ou pas? Yes. Salut les gars, c'est Brisco au basket freestyle. Aujourd'hui je suis à l'Élan Chalon dans la magnifique salle du Colisée. Et on est avec Mickaël Gélabal, une légende du basket français. Ça va Mike ou quoi? Ça va bien, tranquille et toi? Ouais nickel, super, merci à toi. On va filmer une petite vidéo aujourd'hui avec Mike. Mais avant ça, je vais le laisser se présenter, s'introduire, les grands points de ta carrière. Déjà je suis en centre de formation. Ok. J'ai signé mon premier contrat pro. D'accord. C'est vachement important. Et après j'ai joué 2 ans au Real de Madrid. Ok. On a été champion d'Espagne. Après, j'étais drafté par les Seattle Supersonics. Okay, donc j'ai joué 2 ans là-bas. Okay. J'étais avec Rayan et Rachel Paris. Ouais, quand même des grands joueurs aussi. Ouais. Tu fais partie un peu de la première vague de français en NBA en fait. Ouais. Ouais, c'était carrément un truc exceptionnel à vivre, j'imagine. Non, c'était vachement cool. Ensuite, je me suis blessé là-bas, je me suis fait des ligaments croisés. Grosse blessure et j'ai pris environ 18 mois pour vraiment revenir. Après, je suis revenu en France, à Cholet, point de départ. Ouais. Bon, on a fini champion de France et beau souvenir aussi. Ouais, beau souvenir, c'était cool. Surtout sachant que c'était le premier titre de Cholet. Ok. Ouais, pour toi qui avais commencé là-bas, ça avait une vraie histoire, j'imagine. Voilà. Ensuite, j'ai joué à l'ASVEL. Après l'ASVEL, j'étais en Russie, à Kanki. Ok. J'étais champion de l'Eurocup. Ensuite, j'ai fait 3 équipes dans la même année. C'est des Vita, Valence et Minnesota. D'accord. Et après, je suis revenu en France. Ok. Et là, depuis, t'es allé loin et tout va bien, quoi. Ouais, tout va bien. Bah écoute, Mickaël, je te propose un petit challenge. Je vais pas être dans les clichés antillais, mais on va se faire un petit domino basket, ok? Moi, je sais pas jouer au domino. Tu sais pas jouer au domino? Arrête pas, moi. Allez, let's go. Ok Mickaël, donc on a les dominos basket juste ici. Sur chaque domino en fait t'as 2 actions. Donc là c'est le lancer franc et le rider. Donc en fait t'auras le droit de poser ton domino seulement si t'arrives à faire le mix des 2 actions. Donc là par exemple si c'est tu veux poser rider lancer franc, tu dois faire un rider des lancers francs. Ok. Pas ok. Non pas ok. Très peu de gens qui arrivent à faire un rider des lancers francs. Très peu de gens qui arrivent à faire un rider des lancers francs, mais on va dire quand c'est des trucs durs, tu vois, t'auras le droit de juste faire ça et ça, tu vas sans sauter, tu vois. D'accord. Je te laisse commencer. On va voir quelle stratégie il va adopter. Ah, 360. Donc quand on a un double, on va pas enchaîner 2 360, on va pas faire des 720, on n'en est pas aussi fort. Donc on va juste faire un 360. Vas-y, c'est parti. Grosse dur, ouais. Ah, ça va. Oh, on commence très fort avec un 3-6 dunk, c'est validé. Mika, tu peux poser ton domino. Donc moi, on sait que je vais avoir à faire un 360 obligatoirement. Suivi de quoi? Ah, j'ai pas beaucoup de 360, hein. Ok, voilà. 360, des lancers francs. Allez! C'est fini, j'ai gagné. Bah non, t'as pas gagné, faut que tu poses tous tes dominos, man. C'est comme ça que tu joues au domino, toi? Du coup, celui-là, je le reprends. Ah. On est reparti. Ah là ça devient intéressant. Là, il va falloir que je fasse du 3-6 là. Mais il va avoir du 3-6, t'inquiète pas. J'ai même pas d'autres possibilités en fait. Ouf, 3-6 à 3 points, donc là t'es chaud là. Ouais. En plus, c'est toi qui prends le risque. Allez, c'est raté. Ouh, je suis chaud. Donc j'enlève mon domino alors. Eh ouais. Bon bah vas-y, hein, moi c'est pas comme si j'avais le choix. C'est le seul 360 que j'ai de toute façon. C'est au lancer franc. Donc vas-y, on est reparti hein. Voilà, ça c'est fait. Mickaël, un commentaire? Non. Ok, d'accord, bah c'est bon. Bah, alors c'est à toi. Les dominos ont été mal distribués, mal mélangés. Ah, lancer franc, tir assis. Là, ça va être intéressant. J'ai des trucs durs, moi, en fait. Bah, arrête, c'est facile, ça. T'es même pas acrobatique. C'est bon comme ça? Ouais, ouais, vas-y, comme ça, je vais aller. Tu commences à tricher, mais tranquille. On a dû le laisser tout à l'heure, il aurait fait une grosse brique, putain. Merde. Toi, je t'ai dit que t'avais que des trucs faciles. T'en restes combien à la 4 déjà? Ah ouais, tu vas vite, hein. Tir assis en rider. Merci. Oh. Tu me rêves dans ton domino. Ouais. J'ai pensé que ça allait passer. J'ai pensé qu'il allait pas calculer. En plus, il veut tricher. Merde. Droit et cul. Eh, y a pas de pioche en plus. Merde, putain. Mais je vais faire comment, moi, alors, après? Bah, je sais pas.
À ce moment précis du jeu, Mickaël a fait exprès de placer 2 360 degrés à chaque extrémité du jeu. Ayant déjà placé mon seul domino avec un tir à 360 degrés, il sait qu'il m'a mis dans le pétrin. S'il met ce tir, je serai donc bloqué et devrai attendre qu'il rende son tir suivant pour pouvoir enfin jouer. Ça lui donnera 2 temps d'avance sur moi et ça va me mettre vraiment dans de beaux draps. Croisez les doigts pour moi. Bah déjà, de toute façon, tu vas pas le mettre. Je sais très bien que tu vas pas le mettre. Tout le tour de jouer, ouais, c'est marrant, vas-y, rejoue. Je vais placer ça. Ah putain. Il sait très bien que les 3 points en plus c'est ma faiblesse, tu vois. Non, bah ça. Comme ça, si je le passe pas, je vais enlever mon truc. Ouais, ce sera pareil, ce sera encore à toi de jouer. Bah voilà. Oui, j'imagine. Donc jusqu'à ce que tu le mettes en fait. Oh. Bon, allez. Bah super, en plus, je dois enchaîner sur mon point fort, les 3 points. Bon, là, c'est 3 points lancés francs. Je t'avoue que j'avais pas calculé que j'aurais un domino comme ça. Ce que je te propose, je me mets aux 3 points, je fais un saut pour arriver au lancer franc, et là je fais un lancer franc. Oh. Ou tu te mets au lancer franc. Ouais. Et je fais un saut pour arriver aux 3 points. Ah ouais, aussi. Ouais. On marche aussi. Merci. Merci bien. Eh oui, eh oui. Tiens. 3-6 Raider. Faut que tu le dunk, toi, à ce qui paraît. Je rigole. Mais même en l'air, faut le faire. Putain! Il est relou lui, qui l'a invité pour cette vidéo là? On va jouer la facilité un peu. Rider tout simple. Si j'avais bloqué tout à l'heure, c'était fini. Arrête, avec des 6, tu sais très bien qu'on refait le monde. Pourquoi tu es ici, toujours 6, ici, ici? Là tu peux pas jouer là? Non, je peux pas. Ah, c'est dommage! Ah, c'est chiant ça. J'aurais tellement aimé que tu puisses jouer. Donc là en gros, tant que je l'ai pas mis. Tiens. Voilà. Allez. Alors, il nous reste un domino chacun. Mickaël, il sait ce que j'ai. Moi, je sais pas ce que t'as. Oui. Loïc. Non. Bien joué, Mika. Je m'avoue vaincu sur celui-là. En tout cas, c'est la fin de la première manche. Un bravo à Mickaël qui a remporté la première manche du Domino Challenge. C'était la première fois qu'on faisait ça sur la chaîne. Dites-nous si ça vous a plu. Et bien sûr, c'est un truc que vous pouvez refaire à la maison. C'est assez simple, hein. Vous mettez des étiquettes sur des dominos. On va passer tout de suite au deuxième challenge, Mika. Là, t'as bien parlé. Maintenant, il va falloir assumer sur le one-on-one, baby. Oh, oh, crossover. One-on-one, baby. Bon, Mika, t'as gagné le Domino Challenge. Donc, j'ai la balle. J'ai la balle. T'as compris ou pas? Yes. Juste pour ça, je devrais la garder. Oh, left hand. Oh, left hand. Les gens ils disent que j'ai pas de main gauche. Ça c'est pas vrai. 3 points c'est 3 points c'est 2. Oh, je suis parlé de ma swing. Ok. C'est comme ça. C'est bien. Ça fait 3-2 hein. Il y a le petit pont plus le panier. Je vais pas trop vite. Pas trop vite. Non. Il y a pas de rebond, sinon j'allais dunker là. Un dunk c'est 3 points là. Il met ses propres règles maintenant. Là il y a 3-2, tu sais que si je le mets à 3 points là, c'est fini pour toi. Tu sais ça? En plus, il me laisse. Il respecte le pas. Oh, ah, il m'apprend pas au vieux singe, j'ai à faire la grimace quand même. Ça, c'est un truc, ça, c'est un point. Je vais pas regarder, je vais pas regarder.
Bien joué, bien joué. Franchement, je m'attendais pas à tout ça. Non, c'était lourd. 5 à 4, donc ça fait un défi partout. Maintenant, il faut se départager et on va tout de suite passer au troisième défi qui est un nouveau défi aussi. Je vous l'explique tout de suite. Ok les gars, donc on a un challenge partout, il faut absolument nous départager. Et je me suis dit cette fois-ci, plutôt que de faire un horse classique qu'on a l'habitude de beaucoup voir sur la chaîne, on va faire un nouveau challenge. C'est un challenge de shoot, donc c'est pas ma zone de confort. Déjà tu pars favori, tu vois. Déjà, c'est pas pour te mettre la pression, mais juste tu pars favori, tu vois. Je suis un dunker. Hein. Oh, un dunker. Moi le 3-6 rider, je l'attends encore. Donc le challenge c'est très simple les gars, il va y avoir 5 spots sur le terrain, un spot ici en dehors de la raquette, à peu près à 0 degré, qui vaudra 1 point, un autre spot au lancer franc qui vaudra 2 points, un spot à 45 à 3 points, donc qui vaudra 3 points, le spot ici on va dire Stephen Curry range qui vaudra 4 points, et le shoot derrière la ligne qui vaudra 5 points. On a le droit d'enchaîner au maximum 5 tirs par spot, on a 2 minutes de chrono. Et en gros, bah, celui qui met le plus de points sur ces 2 minutes, il est déclaré gagnant. Ça te va, Mika? Let's go! Bien joué, bien joué. Franchement, pour un mec qui fait des briques, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et je suis sûr, à mon avis, il va pas faire autant. Il va faire à peu près égal. Ou s'il me bat, c'est vraiment de peu. Je pense pas qu'il va me battre de beaucoup. Yeah. Ça commence mal. Il va peut-être faire 19. Bon, là ça commence à faire beaucoup.
fait de pas beaucoup, c'était relatif. Non. Parce que 10 points, quand tu regardes bien, 10 points c'est seulement 2 shoots du milieu de terrain, c'est pas mal, tu vois. Bon, ce que je vais retenir, c'est mes 2 shoots d'affilée à 5 points, ça c'est fort. Tu vois. Le reste, pas forcément de commentaires à faire, toi non plus, non. Si. Ok. En tout cas, bravo à Mika, franchement bien joué. Je m'as battu sur ce défi-là. N'hésitez pas à aller suivre Mika sur ses réseaux, je vous mettrai tout dans la description. Allez suivre aussi l'actualité du club de l'Élan Chalon, tout ça se trouve dans la description. N'hésitez pas à mettre un like, un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une super vidéo. Peace. Merci. Petite boîte.